Hello, hello, hello les gens! De retour dans mon quotidien. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un jeune couple. Qui s'était déjà positionné sur un appartement. Le dossier était passé. Le problème est que, avec les temps qui courent, malheureusement, un d'entre eux a attrapé le coronavirus. Hein. Heureusement, tout va bien pour eux. Pour lui également, il s'est rétabli. Et malheureusement, l'appartement n'a pas attendu. Donc là, je leur fais d'autres propositions. On va faire plusieurs visites aujourd'hui. Une petite maison de ville et le reste, ce sont des appartements. Donc dans le lot, il y a un appartement qui n'est pas en état puisqu'il vient d'être libéré. Donc je vous demanderai d'être indulgent. Donc on les attend et on est parti les gens. On met le masque, on se protège. Ah, monsieur. J'ai oublié cette histoire de... Oh là là. Ouais, on oublie. Bon, c'est ici, hein. La résidence ici, vous connaissiez? J'ai entendu qu'on construit, il n'y a pas ça, non, c'est pas. Tout au milieu, effectivement, n'existait pas. Effectivement, c'est venu après. C'était de l'atoll. Bon, ben c'est ici. C'est cette maison-là. Hein. Vous avez donc... Oh, par contre, je ne sais pas si c'est votre véhicule habituel. Parce que là, ça aurait été compliqué. Mais bon, en tout cas, pour mettre le véhicule, beaucoup de personnes mettent un véhicule là et l'autre juste derrière. Ou sinon, après, il y a de la place un peu partout, ici. Enfin bon, voilà. Allez, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, la maison dépasse un petit peu le prix de l'appartement, des appartements que, sur lesquels vous étiez positionné, à savoir 850 et 800, puisque la maison est à 910. D'accord ? Mais bon, j'ai plusieurs appartements à vous montrer. Qui sont plus dans votre budget, mais bon, je voulais quand même vous montrer ici parce que c'est quand même sympa. Ce qui est le bien ici, c'est qu'il y a donc il y a un petit bout de jardin, un jardinet. Alors beaucoup de locataires m'ont aménagé avec un petit carbé, une tente. Certains ont mis un deck, donc rien ne nous empêche de faire ça aussi, ou alors de le laisser tel quel et de l'aménager un petit peu. Je sais pas si vous êtes plante, mais en tout cas, ça peut être sympa. Alors, on n'est pas sur un grand jardin, c'est un jardinet, mais c'est quand même un espace extérieur. C'est sympa pour les grillades, parce qu'un appartement, on ne peut pas en faire. Alors après, c'est vrai que l'espace de vie n'est pas très grand, mais vous avez la terrasse, et comme vous êtes en vase clos, rien ne vous empêche d'aménager un petit coin salon dehors, faire quelque chose de plus cosy. Voilà, salon, cuisine, cuisine aménagée, donc haute plaque avec les rangements. Donc ça fait deux salles d'eau dans la maison, ça évite les embouteillages le matin. Et ensuite à l'étage. Donc les deux chambres sont équipées de penderies. Et les deux chambres sont climatisées. Donc vraiment on a de belles surfaces. Hein. C'est pas la cage à poules comme on l'appelle. Ok, donc ensuite on a un WC séparé. La deuxième salle d'eau. C'est plutôt sympa. Pas mal d'emplacements possibles pour du rangement. Et la deuxième chambre, qui est la plus grande effectivement. Climatisé, penderie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est bien, mais c'est du salon, absolument. Ouais. Ça pose problème. On verra quand même. En tout cas, c'est vu. On va aller voir les autres produits. Et Gabi? Oui, dis-moi, Rodrigue, tu as fini avec les clés de l'EGAG Emerus? Je suis à Le GAC là, je suis avec mon client. Je vais rentrer dans l'appartement. Okay. Bon, ben ok, ben, quand t'as fini, tu rentres, tu viens ici. Après, j'ai rendez-vous chez Madame Okapfouk, pas loin. Et après, je rentre à l'agence. Bon, ben ok, je vais dire au client d'attendre. Ok. Bon, c'est ici, donc c'est un vieil immeuble, mais très très bien entretenu. Bon, je pense que ça se voit. Hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez déjà, a priori? L'environnement, la place de parking? Calme. Exactement. Alors, c'est un peu le renfermé. Automatiquement, c'est resté fermé. Et voilà, on a une belle pièce de vie. Alors, c'est sécurisé par un volet, ça sert à rien au deuxième, mais il est quand même présent. Ok, donc le coin cuisine. La salle d'eau est juste à côté. Et ensuite, on a les deux chambres. Donc, il y a penderie. Et la deuxième chambre. 800. C'est là le plus petit. Donc, la chambre parentale, c'est l'autre. Et après, dessus, il y a des machines à soins. On peut laisser
Bien sûr, oui. J'ai pas compris. 800 avec la place de parking. L'hôtel à 850 qu'on va avoir maintenant, mais vous allez voir, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Mais bon, après ici c'est très bien. C'est très bien. On va voir l'autre. Il paye pas de mine comme ça de l'extérieur, mais vous allez voir les gens. Dernière visite avec lui aujourd'hui. Là, pour l'instant, il est plus intéressé par l'appartement qui se situe à rue de Tambécaire. Ah, bah en plus. Va pareil. Donc là, les vitres sont teintées. Il y en a une vraie circulation de l'air. Il n'y a pas de vis-à-vis. C'est un appartement qui est très bien ventilé. Donc terrasse. On est vraiment sur de très très belles surfaces. C'est de l'ancien, mais très bien entretenu. À chaque sortie de locataire, le propriétaire refait les lasures, refait les peintures, refait tout ce qui est joint, il remet ça à neuf. Alors bien sûr, ça sera nettoyé, hein, c'est un peu sale. Donc là, on a la cuisine. Donc c'est traversant avec un balcon derrière. Et la gestion du linge qui se fait juste là. Ok, donc un grand balcon qui communique avec la chambre à côté et a accès à la terrasse avec la chambre qui est de l'autre côté. Donc les chambres, on est sur de belles surfaces, penderies, climatisées. Ok, vraie grande chambre qui donne accès au balcon. WC séparé. Salle d'eau, douche à l'italienne. Et la deuxième chambre, tout aussi grande, climatisée, fonderie, accès terrasse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est grand, hein? 850. On fait quoi? On soumet pour quel dossier en premier? Quel serait le choix s'il fallait faire un ordre? Les deux choix. Ok. En premier, l'avant-dernier? Ouais. Ben, ça passera. Voilà, bon. Avec le parking? Ouais. Ok. Bon, je fais passer le dossier aujourd'hui. Avec la visa, normalement, ça passe. Je ne me rappelle plus de la date de validité, mais je crois qu'il reste encore de la marge. Voilà, bon. Donc théoriquement, on est bon. Peut-être qu'il va me manquer les dernières fiches de salaire, mais je fais quand même passer aujourd'hui. Et puis, je vous tiens informé dans la foulée. Mais normalement, on peut considérer que c'est OK. OK ? On fait comme ça ? Voilà les gens, donc sans le masque, c'est beaucoup mieux ça. Ça tient chaud, hein, cette histoire. Alors finalement, le client préfère l'appartement qu'on a visité juste avant, donc l'appartement avec parking. Il a bien aimé celui-ci également. Mais bon, vu que l'appartement avec parking, le dossier théoriquement, il passe, les revenus sont stables. Ils sont à deux, ils ont une visale en plus, ce sont des jeunes. Donc on devrait être OK. Donc encore un client satisfait. À très vite les gens. C'est chaud.